client, abîmée, étant bah, chaland, des bricoles, mais nous avons organisé une petite réunion pour les gens qui voulaient participer. Sur les bords de l'Orne, et nous sommes partis du côté du Moisiel. D'accord. Et revenus par la base okay. Où il y avait une compétition d'ailleurs. Tout à fait. C'est une association qui compte combien d'adhérents? Alors, on a été jusqu'à 200 adhérents. Monsieur, vous êtes adhérent à l'association depuis 10 ans. 10 ans? 10 ans, oui, oui. Et alors, vous en êtes content? Ah bah oui, ça serait... Voilà. Donc, je ne peux pas citer son nom, mais visiblement, il est content. Madame, vous êtes à l'association? Mais madame, elle vous promène, monsieur. Ah, vous êtes... vous avez une fonction particulière? Absolument. Qu'est-ce que vous faites avec? J'emmène... adhérents se promener, je leur trouve des petits circuits, j'essaye de changer un petit peu à chaque fois, qu'il y a toujours un petit peu de nouveau, avec lesquels je ne suis jamais passé. Et voilà. Eh essentiellement merci. D'ailleurs à la vitesse accélérée. Merci. Donc des adhérents, me tuez. Ah, toujours. Donc je vous ai dit qu'on a été jusqu'à 200 adhérents, même un peu plus. L'année dernière, effet Covid oblige, on est descendu à 170. Monsieur le secrétaire, vous confirmez? Je confirme. Et cette année, ça se présente assez bien. Je ne sais pas exactement combien on sera, 150, 160, 170. Mais voilà, c'est une association qui tourne bien. Là, j'entraîne les enfants à taguer dans la rue. Mais taguer proprement. On essaye de faire proprement. On essaye de leur faire faire des jolis tags. Ouais. Et c'est quoi un joli tag? Un joli tag, ça s'apparenterait à de la calligraphie, mais voilà, quand je dis joli tag, souvent ça énerve ma mère par exemple, parce qu'elle dit qu'un tag c'est pas joli, mais si, pour de vrai, il y a des tags qui peuvent être jolis. Non, il vaut mieux pas. Qu'est-ce que vous représentez exactement là? Vous pouvez m'expliquer un peu? Ouais, non, mais GVI, ça veut dire quoi? Grossesse. Et donc, Mylène n'est pas de son métier. Incroyable. D'accord, vous avez des inscriptions là, ça se passe bien? Oui, et depuis le temps que je t'en parle, Renaud, quand même. Nous les envoyons. Ouais, j'ai un tout petit coup, hein, parce que je vais aller voir les bidons après. Mais alors Nadine, qu'est-ce qui se passe au niveau de la chorale? Tu peux m'expliquer là? Alors, au niveau de la chorale, non, mais au niveau de la danse, je peux t'expliquer, oui. Donc viens faire de la danse avec nous, Renaud, parce que j'ai cette catastrophe. Non, là, je vous fous votre club en...
je vous fous votre club en déroute là. On est très patients. Ouais, non, mais vous avez intérêt, c'est plus de la patience qu'il faut, c'est rédhibitoire pour moi. Hein. Et oui. Alors vous êtes donc vous animez un club de danse, c'est ça? Il n'y a pas que de la danse, il y a de la gymnastique, il y a de la gymnastique, il y a de la gym. C'est de la gymnastique pour papy que vous faites là. Non, non, tu rigoles au niveau du papy, regarde, c'est que des jeunes animateurs. Ah, avec Caroline, je ne sais pas quel âge elle a, elle a 22 ans. Caroline, elle a 22 ans. Il est là.